Maintenant, si vous voulez bien, Jeff Rieden, vous êtes professeur à Harvard, je le rappelle, et vous êtes grand expert de l'économie et des crises dans l'histoire du XXe siècle. Well, thank you very much. It's a great pleasure to be here. The question we ask, the question of the hour really is... Je vous remercie. Eh bien, on va parler de l'avenir du capitalisme. Cet après-midi, j'ai une autre question à vous poser, qui est une question annexe et qui concerne la crise que nous vivons depuis un an. C'est de savoir si le capitalisme mondial peut survivre à une crise mondiale ou globale. Et dans un tel cas, quel type de capitalisme va déboucher de cette crise? Pour essayer d'éclairer cette question, eh bien, j'aimerais tirer deux enseignements du passé, deux enseignements de la crise actuelle et formuler une série d'attentes en ce qui concerne l'avenir. Je suis un universitaire, c'est comme ça que nous réfléchissons. D'abord, en ce qui concerne les leçons du passé, ce sont des leçons très importantes à tirer. Eh bien, nous connaissons déjà, nous avons déjà connu des crises il y a plusieurs décennies, en 1914 par exemple. Eh bien, l'économie mondiale était fortement intégrée. Nous sommes entrés dans une phase de globalisation, de mondialisation, dans laquelle les technologies, le capital et les idées, les institutions eh bien, se sont déplacées dans les États voisins, ont franchi les frontières, comme cela se passe aujourd'hui. Et cette première période de mondialisation eh bien, a été couronnée de succès à un certain point de vue. Cela a également survécu un certain nombre de crises ou de paniques périodiques, c'est comme ça qu'on les appelait. Cela étant, ça n'a pas résisté à une crise très importante dans les années 30. En fait, c'était le dernier soubresaut de cette période-là, la première période de la mondialisation qui s'est effondrée à ce moment-là. Et donc, l'expérience positive de la période avant 1914 et l'expérience négative de la période de l'entre-deux-guerres négative, eh bien, de là, on peut tirer deux enseignements. Un système économique ouvert requiert une coopération concertée et ouverte entre les gouvernements nationaux. Et au début du XXe siècle, on pensait que l'ordre économique international, c'était quelque chose qui pouvait s'auto-réguler ou s'auto-renforcer. Les marchés internationaux, sans doute, pouvaient s'auto-réguler. Mais l'ordre économique international, c'est-à-dire le système lui-même, requérait la collaboration, la coopération entre les gouvernements, notamment en période de crise, afin de pouvoir mettre à disposition des populations la richesse publique ou les biens publics qui ont été mentionnés tout à l'heure par l'intervenant précédent. Donc, collaboration entre les États. Deuxième enseignement, qui concerne le premier enseignement, c'est le fait que les gouvernements peuvent travailler ensemble et travailleront ensemble à la seule condition d'avoir le soutien national nécessaire pour entreprendre un certain nombre de mesures politiques associées à ce programme de collaboration internationale. Évidemment, les gouvernements nationaux ont des responsabilités par rapport à leurs mandants, et si les mandants sont hostiles vis-à-vis de l'économie internationale ou indifférents par rapport à cette économie internationale, et à ce moment-là, les mandants ne vont pas simplement rester là, les bras croisés, et permettre au gouvernement d'agir comme bon lui plaît. Si les mandants sont hostiles vis-à-vis de l'économie internationale, à ce moment-là, les gouvernements n'ont pas d'incitation à entreprendre les activités nécessaires pour assurer un ordre économique international ouvert. Et sans cette collaboration, évidemment, un ordre économique ouvert au plan international ne peut exister. Voilà donc les deux enseignements que je tirerai du passé. Maintenant, les leçons de la crise. Alors, première leçon. C'est le fait que les gouvernements restent absolument indispensables pour l'économie centralisée. Dans cette ère de mondialisation, en tout cas au début, eh bien, on a nourri beaucoup d'espoir, parfois on avait des craintes que la mondialisation des marchés en fait donnerait de grandes difficultés aux marchés nationaux et que les gouvernements nationaux auraient les plus grandes difficultés à entreprendre des mesures nationales dans le cadre mondialisé. Donc, pour certains, il y avait de quoi nourrir des espoirs, pour d'autres des craintes. Mais en regardant ce qui s'est passé, on voit que ce que les gouvernements, en fait, ce qu'ils font, c'est encore plus pertinent que ce qui se faisait à l'époque. Une crise ne peut être comprise que comme étant un résultat plus ou moins direct des politiques nationales. En fonction de l'analyse de la crise, et pour revenir à ce qui a été dit dans le panel de ce matin,
La crise résulte en fait des politiques fiscales et monétaires des États-Unis, des politiques chinoises en matière de réserve et d'autres mesures qui sont prises par un certain nombre de pays, des politiques budgétaires, fiscales et monétaires.